Vendons le kilo de la viande sans os à 2200 francs CFA. Nous achetons le bœuf entre 200 000 et 300 000 francs CFA. Donc, nous sommes obligés de récupérer le prix du bœuf sur le kilo de la viande. Même si tu vends le kilo à 2500 francs CFA, tu ne peux pas récupérer ton argent. Si le mois de Ramadan diffère de celui des autres années, le taux de la clientèle est très faible. Je suis vendeuse de poissons. À l'approche du mois de Ramadan, on prenait les poissons de taille moyenne à 650 francs CFA, voire 700 francs CFA. Pendant ce mois de Ramadan, nous prenons le poisson à 850 francs et même 1200 francs CFA le kilo. Les clients se plaignent, mais nous n'avons pas le choix. Les gens n'ont pas d'argent. Je pense que tout va bien pour l'instant. Donc, le prix des condiments ont un peu augmenté. Donc, j'ai remarqué cela. Mais par rapport aux achats, ça marche un peu. Il y a eu beaucoup de clients par rapport au jour d'avant qui n'était pas le Ramadan. Actuellement, ça va. Au marché de Bagadadi, le prix des denrées de première nécessité a augmenté. Ils ont ajouté 300 francs CFA sur le prix du poulet. En ce qui concerne le poisson, les grossistes ont ajouté 1500 francs CFA sur le prix du carton de poisson. Les gens n'ont pas d'argent. Nous arrivons avec beaucoup de peine à joindre les deux bouts. Nous demandons au gouvernement d'être indulgent. Que ce soit le riz, le sucre, le poisson et même les légumes, on ne peut pas les acheter. Mon prix des condiments est 1000 francs CFA. Avec cette somme, qu'est-ce que je peux acheter? Il n'y a pas de vente car tout est cher. Je suis venu acheter mes condiments. Je vois que tout est cher. Nous sommes habitués à ce changement de prix qui intervient tous les ans pendant le mois de Ramadan. C'est la direction du commerce qui doit sillonner les marchés pour le suivi des prix des produits. Il n'y a pas de vente. Nous venons au marché depuis le matin, mais souvent nous retournons à la maison bredouille. Ça fait vraiment peur. Ah, tant qu'on va nous faire mal à la tête.